Salut à tous et bienvenue dans ce tuto Glishop dans lequel je vais vous expliquer ce qu'est une peau de phoque et comment bien choisir celle adaptée à vos besoins. Moi c'est Renaud, la semaine je vous accueille au magasin à Aubière pour vous proposer mes conseils et vous aider à trouver le matériel adapté à vos besoins. Et le week-end, je fais du ski, de la randonnée, de l'escalade ou encore du snowboard pour découvrir nos belles montagnes. En ski de rando, la peau de phoque c'est l'élément indispensable pour progresser en montée. Elle se positionne sous le ski et permettra de glisser vers l'avant et d'avoir de la retenue vers l'arrière. Au niveau de la construction, elles sont composées d'une partie textile qui sera en contact avec la neige, d'une partie adhésive qui viendra se coller sous le ski et de systèmes de fixation pour la maintenir en place. Commençons par la partie adhésive. Les peaux sont classées en deux grandes catégories, les peaux à colle et les sans colle. La première catégorie est la plus connue parce qu'elle existe depuis plus longtemps. Une pellicule de colle est apposée sur la peau et viendra coller sous le ski. C'est la construction la plus fiable mais aussi la plus contraignante en termes d'utilisation et d'entretien. Il faudra systématiquement ranger les peaux sur des filets de protection ou des chaussettes afin d'éviter des transferts de colle et leur vieillissement prématuré. Un réencollage régulier sera nécessaire afin de garder une colle propre et efficace. La deuxième catégorie regroupe les peaux dites sans colle. Depuis quelques années, des marques comme Gecko ou Coltex ont développé des systèmes de ventouses moléculaires ou encore d'adhésifs acrylates qui permettent d'adhérer sous le ski sans pour autant être collant. Plusieurs avantages au niveau de l'utilisation, puisque ces peaux seront faciles à coller et décoller des skis pour pouvoir les replacer si elles sont mal positionnées. Elles ne colleront pas sur la peau ni sur les vêtements. Pour les ranger, elles peuvent être repliées en deux ou même collées l'une sur l'autre sans pour autant être trop compliquées à séparer par la suite. Attention, lors de l'utilisation, ces peaux seront moins performantes sur des neiges très froides ou humides, ou encore lorsque l'on collera et décollera souvent les peaux lors d'une même sortie. Il existe une marque de peau qui regroupe un peu tous les avantages des deux catégories. Pomoka. Grâce à l'insertion d'une membrane entre la peluche et la trame qui accueille la colle, l'humidité atteint moins facilement celle-ci. Ainsi, il y a besoin de moins de colle pour la même qualité d'adhérence que pour les constructions classiques, ce qui permet une manipulation aisée comme pour les peaux sans colle. Attention cependant, ces systèmes nécessitent quand même un réencollage régulier et l'utilisation de filets de protection. En ce qui concerne la qualité des peluches, il en existe trois différentes. Les 100% mohair auront une meilleure glisse mais seront un peu plus fragiles et auront donc une durée de vie limitée. Les 100% synthétiques, en général en nylon, offriront une meilleure retenue et une qualité de vie supérieure mais auront une moins bonne glisse. En général, le meilleur compromis, c'est 70% mohair, 30% nylon, qui offrira un bon équilibre entre la glisse et la retenue. Au niveau des systèmes d'accroche, la plupart des peaux se mettront en place par l'avant grâce à un étrier ou un crochet. L'étrier est le système le plus universel et équipera la plupart des skis, alors que le crochet se mettra plus facilement en place sur des spatules plus larges. Certaines peaux vont simplement se coller ainsi sous le ski, maintenu par l'étrier ou le crochet. La plupart des modèles sont cependant aujourd'hui équipés de camlock ou tendeur à l'arrière qui s'accrochera au niveau du talon du ski. Attention, même si ces systèmes sont appelés tendeurs, ils ne servent en aucun cas à réellement tendre la peau. Si vous forcez trop sur la languette, vous risquez d'arracher les rivets qui servent à la maintenir sur la peau. Certaines marques proposent des systèmes qui ne seront utilisables qu'avec une série ou même un modèle de ski spécifique. Ces peaux sont en général prédécoupées en usine et ne sont utilisables qu'avec ces modèles précisément. Ces systèmes permettent de gagner quelques grammes et un petit peu d'efficacité lors de la manipulation des peaux. Enfin, il existe un système de tendeur rapide, élastique, qui est plutôt destiné aux compétiteurs ou aux utilisateurs qui veulent chercher la performance et la possibilité de dépoter par l'avant des skis sans avoir à les déchausser. Ce système n'est compatible qu'avec certains skis, bien reconnaissables grâce à la fente qu'ils ont à l'avant de la spatule. Lors du choix de votre peau, faites bien attention aux dimensions de votre ski. Pour un randonneur occasionnel, choisissez une peau qui couvre bien au niveau du patin mais laissera un peu de marge au niveau du talon et de la spatule. Vous favoriserez la glisse à la montée et gagnerez un petit peu de poids. Si votre pratique vous emmène dans des dévers plus marqués ou des pentes plus raides, privilégiez une peau plus large qui couvrira une surface de semelle plus importante. Cela permettra d'augmenter le contact avec la neige et favorisera la retenue. Même si certains fabricants proposent des peaux prédécoupées à la forme exacte des skis, la plupart seront à découper par vos soins pour les adapter au modèle de ski que vous souhaitez équiper. Pour vous aider dans votre choix, voici quelques cas généraux. Pour les compétiteurs ou les utilisateurs recherchant la performance, on privilégiera un système à colle avec un tendeur rapide et une peluche 100% mohair qui favorisera la glisse et une bonne tenue dans tout type de conditions de neige et de météo. Les pratiquants réguliers et dans tout type de neige ou de conditions météo privilégieront un système à colle avec un étrier à l'avant et un tendeur à l'arrière et une peluche mixte qui offrira un meilleur confort d'utilisation et une durée de vie maximum.
Pratiquants occasionnels ou free-randonneurs ainsi que les débutants en ski de rando s'orienteront plutôt vers une construction avec ou sans colle et une peluche synthétique afin d'avoir une peau plus résistante, plus facile et pratique d'utilisation et d'entretien. En cas de doute et pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt !